dans un état de droit, le président de la République ne protégera personne. À la justice de faire son travail. C'est en ces termes qu'a réagi Robert Koumou, président de vétérans de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux des PESA. En réaction justement à la lettre plainte déposée ce jeudi par l'évêque Pasteur, par l'évêque Pascal Mukuna, en charge du sénateur Joseph Kabila. Et pour lui, le président Tshisekedi ne pourra jamais interférer dans l'action de l'appareil judiciaire. Depuis toujours, le peuple congolais demandait à l'actuel chef de l'État d'arrêter Kabila. Hein? Nous, à l'IDPS, nous demandions à quiconque reprocher à aurait un problème avec Kabila qui saisisse la justice. Et alors, puisque nous sommes dans un état de droit, alors si Kabila a commis des crimes, des problèmes, il ne peut que répondre. Une chose est de porter plainte, et une autre, c'est que la justice saisit des dossiers et déclare. Et l'UDPS, qui prône l'état de droit, ne peut protéger personne. Tout le monde est en dessous de la loi. Si, comme Kabila, il avait géré le pays dans une dictature atroce, on connaît les fausses communes de Maluku, hein, les arrestations, nous aussi, nous, à l'UDPS, nous reprochons à l'ancien régime des crimes. Hein? J'ai vécu dans notre permanence. Le feu président Tshisekedi pleurait un enfant de 12 ans. Et nous disons, on n'éponge rien, mais nous avançons. Et si Mukuna a des intérêts, et Kabila doit répondre à la justice.